Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc nous voici dans SNK, dans Shingeki no Kyojin, dans Attaque des Titans, je sais pas, comme vous le voulez, bref. On va tout de suite continuer la suite de la dernière saison de Shingeki no Kyojin, Attaque des Titans ou SNK. Donc juste n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre le j'aime, de commenter, de vous abonner s'il vous plaît. Puis aussi, juste avant de commencer s'il vous plaît, là je veux juste vous faire savoir un truc très important. S'il vous plaît, ne laissez pas de commentaires genre oh nanana, genre tu dis des choses par rapport ou je sais pas moi. Dites-moi pas des trucs comme ça parce que je vais être franc avec vous là. Ça fait longtemps déjà de 1 que j'ai pas regardé cette série donc j'ai oublié sûrement plein d'affaires. N'hésitez pas à surtout me rafraîchir la mémoire pour me dire ce qui se passe. Donc si je dis des choses qui font pas de sens, je suis sincèrement désolé. Je vais essayer de faire mon mieux pour comprendre bien l'histoire. C'est l'un des animes que j'ai eu le plus de mal à bien comprendre. Pas parce que c'est complexe, c'est juste parce que c'est pas. Pas un anime juste où il y a de la fight puis c'est tout là. Genre, il y a toute une histoire derrière puis il faut vraiment faire attention à chaque détail. Genre, pour bien comprendre. Puis surtout que j'ai pas une mémoire. Pas une mémoire assez. Une mémoire de poisson si on veut là. J'ai quand même une mémoire sélective donc c'est ça. Donc, juste s'il vous plaît, soyez indulgents puis commençons la réaction. Donc, on peut même plus. Wow! Tout ça, attends, ça c'est oh shit, je m'en rappelle même plus de son nom. Oh my god, c'est-tu Sacha ça? Ah, c'est pas Sacha, elle est morte. Ah, c'est même pas drôle en plus. Oh shit, what? Attends, c'est pas s'appelle encore le gars là. Oui, c'est pas le caporal Rivail, qu'est-ce qui s'est passé? Oh my god! Waouh! C'est vrai maintenant que j'y pense, ils étaient pas prisonniers, mais ils se sont fait capturer par leur propre armée. Je me rappelle maintenant. Oh my god, je peux pas croire qu'il est arrivé des trucs à Rivaille. Bah, Levi, je peux pas croire qu'il soit mort plutôt. Oh, désolé. Puis j'ai oublié qu'on prononce pas le R. Le R, ça se prononce comme un L si je me trompe pas. What? T'es encore en vie? T'es encore en vie? Oh my god, c'est quoi cette joke? Bah, en même temps, j'ai oublié que c'est un titan, mais quand même! Yo, il a survécu! Oh my god, c'est n'importe quoi! On est vraiment dans la merde! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est vrai! Et Sliva est vraiment mort, hein? Quoi? Comment ça? Fillette. The fuck? Ah. Yo, s'il vous plaît, là, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. Je suis désolé, hein, j'essaie de faire mon mieux. Oh mon Dieu. Je peux pas croire qu'ils ont fait ça à Levi, c'était mon personnage préféré. Okay, je vais avancer l'opening là. Ok, donc épisode 16? Moi je comprends pas, je pensais que c'était l'épisode 17. Est-ce que c'est moi qui a fait une erreur ou je sais pas. Peu importe,
De toute façon, au final, là, moi, je vais changer le nom. Si c'est pas 16, je vais mettre 17. Si c'est 16, je vais mettre 17. Un des deux, peu importe. Bah, je sais même pas. Yo, je fais ce sourire. Je fais ce sourire, je sais même pas pour de vrai pour qui je vais encourager au point où on en est là. Je suis totalement perdu. Moi, je suis plus pour le côté de Levi et puis les autres là. Mais en même temps, je sais plus vraiment qui est le bon, qui est le mauvais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bon et de mauvais côté nécessairement. J'ai plutôt l'impression que c'est la vision de. C'est selon la vision de chaque personne. C'est comme dans l'histoire, dans une guerre dans chaque pays. Il y aura toujours les méchants et les gentils, mais. Les gentils et les méchants, tout dépendant de quel côté tout cela est perçu. Enfin bref, retournons dans le contexte. What? Ah, lui, c'est vrai qu'il a agi comme un singe, lui, hein? Cette affaire-là qui saute. C'était pas genre la réplique de l'autre là. De Ymir? Je me rappelle même plus de son nom pour de vrai. Je me rappelle même plus des noms, je dis n'importe quoi. La fille là qui est morte. Ouais, je pense que c'est le pouvoir de la fille qui est morte qui a été. Elle a été avalée par quelqu'un d'autre et c'est lui, justement. Il lui ressemble. Ah, c'est vrai, ils sont pas dans ce côté-là. Lui, il est dans le côté de Eren. Je pensais que c'était Armin pendant quelques secondes là. J'ai foiré grave. Oh god. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui sont déjà fâchés de comment je réagis. Ils disent My god, pourquoi tu dis ça, nanana? C'est pas comme ça que tu devrais réagir. Yo. Excuse-moi là, mais c'est comme ça que je réagis là. Y a pas une manière plus particulière. Il n'y a pas une manière particulière de réagir à tout ça. Hein. Chaque personne est différent là. Même si je dois l'admettre que je suis un peu fou. Oh, Rainer. Ok, mais là, Eren et je pense qu'il. Tu sais, je pense que Eren est toujours pas avec Mar en fait. Je pense que juste Eren n'est pas d'accord avec la façon que l'armée fonctionne en ce moment. Et c'est pour ça qu'ils ont pris le contrôle. Puis ils sont quand même contre Mar, hein, cette histoire. Vous me dites si je me trompe. Si je me trompe pas, ben, donnez-moi des détails, s'il vous plaît. Et dans les pires des cas, dites-moi les deux. Ok. Oh! T'imagines le monstre fait juste prendre ses dents et fait juste. Vous savez, comme les titans là qui sont normales. Oh mon dieu, j'imagine pas la Gabi là. C'est-tu son nom, Gabi? Je m'en rappelle plus. Oh! Ouais. Est pas mort, mais il s'est fait capturer. Ah oui, c'est vrai, ce liquide faisait quoi encore déjà? Est-ce que ça transformait les personnes en espèces de monstres? Est-ce que c'est ça en fait? Je pense, si je me rappelle bien, ce liquide faisait transformer les personnes en des titans, mais genre des titans de base là.
Genre ceux qui n'ont pas d'esprit, là, qui sont complètement cons, qui mangent tout ce qu'ils voient, là. Et ouais, si je me trompe pas, je pense que... Mais maintenant que j'y pense, c'est ça en fait. Je sais plus trop. Sieg était... Il y avait quelque chose de particulier. Je sais que Sieg et Eren étaient de la même famille. Ils ont le même père. Donc c'est sa mère qui devait avoir... Qui devait être d'origine... avec la famille royale. J'ai aucune idée. Vous m'expliquerez là, vous ne savez plus. Je sais même pas pour qui je devrais encourager. Eren ou Reiner? En tout cas, j'ai juste envie de voir la bonne baston si on veut. Oh! C'est drôle parce que j'ai en train de réaliser un truc, c'est qu'il utilise des capacités que Annie était capable de faire aussi. Je viens de réaliser ça. Je sais pas si c'est parce qu'il a pris des pouvoirs de Anne. Non, non. Pas. Mais en tout cas, il a pris quelque chose qui était similaire. Je pense qu'il avait pris les pouvoirs d'une autre personne puis l'avait avalé. Je sais pas. Ou pas. Je m'en vais plus là. Je vais être franc avec vous. Ah, ça fait trop longtemps. C'est moi, je n'ai pas une bonne mémoire. Hein. Mais là, on peut se débarrasser de depuis bien avant s'il voulait, surtout de Reynor. Donc ça me fait rire qu'il dise ça. Et je dois être franc, je suis assez impressionné. Non, elle va pas se faire avoir aussi facilement juste avec des petites affaires comme ça. Attention, c'est... Eux, ils se sont occupés de Eren ou de Reiner puis de l'autre. Oh my god. What? D'où il sort cet animal? Mais d'où il sort cet animal de merde? J'y pense, ces titans-là, il y en a qui ont vraiment l'air pas humains, genre comment ils sont. On dirait des humains difformes. Plutôt. Mais ils ont été agrandis. Avec ça! Et c'est comme... Comme ça là! Avec la grosse bouche! Moi j'exagère, c'est pas comme ça, c'est plutôt... Avec son gros truc en avant, mais quand même! Oh non! Non, oui! Oh god! Yo, je sais plus qui... Soutenir! Oh my god, j'espère que d'ici la fin de l'épisode, je saurai au moins de quel. Qui est avec qui? Ça, c'est marrant, ça, je sais. Je ris parce que je suis perdu. Ok, ça, je sais qu'ils sont ceux qui étaient. Qu'ils avaient offert l'aide à Eren. Et qui sont avec Eren plutôt, on va dire. Y a pas déjà dit cette genre de bullshit dès le début, depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe là pour qu'il reparle de ça? Oh! Est-ce qu'il est fini ou c'est juste... Oui, il est encore bon. Il était bien, c'est qui et tout? Oh mon Dieu Seigneur. Je sais pas si c'est... Je sais plus c'est qui... Oh non non non, dites-moi tout hein. Le
Je crie maintenant que j'y pense, je suis en train de foutre de la gueule de Eren. Je sais plus qui avec qui. Oh my god. Bah, tu vas pas te laisser faire quand même par Reiner. T'as pu le casser la gueule depuis avant, si je me rappelle bien. Mais tu l'as pas fait. Parce qu'il va le libérer, il va les libérer. それをエレンが一人で相手にしている。必死にあがいているが、いずれやられる。始祖がマーレに奪われる。手を貸してくれ。みんなでエレンを援護するんだ。おお。何がみんなだ。てめえらの戦いだろうが。俺たちが従うと思ったのか。裏切り者のくせに。すまない。だがイレに逆らえば。Ouais, mais pas à lui. Mais lui, je me rappelle bien, il était vraiment pas trop pour ça. C'était les autres. Je comprends. Mercenaire. この島に未来があると信じていたからやれたんだ。子供は未来だ。安楽死計画が実現してしまったら、俺たちがやってきたことは何になるんだ。信じる。Comment je le crois? 信じるよ。アルミ。以前、君はこう言った。ユミルの民を含め、人々は皆求められたから。いろんな奴がいた方が面白いからだってね。君という人はまるでジークの思想に反した姿勢を見せてきた。君はそういう奴だよ。さあ立って。おにゃんこぽん。ヤコポン。ヤコポン。俺もお前を信じる。がどうする。エレンとジークに手を貸すということは安楽死計画を。C'est pour ça que je vous ai dit, je sais même pas pour qui supporter, enfant. 計画は阻止する。Yo, lui il devrait se calmer aussi là. Je comprends qu'est-ce qu'il ressent là, mais franchement, c'est pas à lui qu'il faut mettre sa rage. Je sais même pas quoi penser d'elle. C'est vrai qu'elle, elle était toujours. Ouais. Elle le fait ça pour. Ah oui, je me rappelle de tout là maintenant. Aucune idée, c'est vraiment tout ce qu'il dit, hein. Ça, c'est vraiment pas. Est-ce que c'est vraiment ça?
à se poser la question. Waouh, l'épisode est déjà... Non! C'est déjà fini? Ok, non, pas encore. Je m'excite un peu trop là, mais le temps passe tellement vite. Je dois dire parce que j'adore vraiment cette série, cet anime. Ok, c'est quoi qui a explosé? Oh! Wow, yo, j'ai même pas le temps d'être surpris à chaque chose qui se passe. Il y a tellement de choses qui se passent, c'est incroyable. Mais continued. Ah, j'aime trop l'autre. Ça fait trop bizarre d'écouter cet ending. Bref, donc on va s'arrêter là pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié honnêtement ma réaction. Donc juste s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre le j'aime si vous voulez que je fasse des épisodes chaque semaine de SNK quand ils vont sortir chaque fois un épisode. De commenter, de commenter, de vous abonner s'il vous plaît. Et comme ça, on va se retrouver pour un prochain épisode. Donc bye à tous. Je fais des choses bizarres.